Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Silver Linker. Oui, c'est moi là, oui, vous me voyez. Je vais tester aujourd'hui de me mettre en petite vidéo quelque part pour vous voir, vous. Plutôt pour me voir, moi. Bon, je pète un câble. Heroes of the Storm aujourd'hui. J'ai eu la clé bêta. On va essayer avec vous, parce que moi j'ai déjà essayé quand même, parce que je l'attendais un petit peu ce jeu, hein, il me donnait envie et tout. Donc ça peut être très sympa à jouer. Donc, Heroes of the Storm, c'est quoi? Jeu créé par Blizzard, ambassadeur du MOBA à la base, avec son Warcraft 3, Dota, Dota 2, enfin, du coup, qui ont créé Dota, Dota 2. Heroes of the Storm, ils ont voulu prendre les grosses licences Diablo, Warcraft et Starcraft. Tous les gros héros, ils font un bon gros bordel, MOBA, pff, ça marche du tonnerre. Alors, on vous présente vite fait le jeu. Allez, donc voilà, ça c'est la page du début. On a le nouveau héros qui a été ajouté très récemment. On peut les essayer, tous. On peut essayer tous les héros quand on veut. C'est super cool. Et après, il faut les payer, donc soit avec du vrai argent, soit avec de l'or. Pardon. Donc cet or est gagné, regardez, en haut à droite. Donc ça c'est mon niveau 6. Mon or est ici. Et du coup, celui-là de héros, je crois qu'il est à 10 000 pièces d'or, donc faut jouer, de toute façon, voilà, hein, comme dans tout jeu, quand on veut, surtout en ligne, quand on veut débloquer des persos, du stuff ou autre, il faut de la thune, et la thune, elle se gagne, voilà. Donc, nous pouvons voir ici 5 emplacements, dont moi, pour s'il y a des potes, aujourd'hui on est tout seul, de toute façon on veut la tester, je veux vous montrer comment ça marche, entre guillemets. Donc voilà, on va partir tout de suite. Une game dure entre 15 et 20 minutes normalement. Donc la game entre 15 et 20 minutes, c'est beaucoup plus rapide que sur LoL où quand on fait une faille de l'invocateur, donc A5, on est du coup entre 30 et 40 minutes. Bon, ça peut durer plus, ça peut durer moins. C'est comme dans tout jeu, ça dépend comment ça se joue et comment le teamplay est fait. Alors, jouer, on lance. Voici donc des animations assez sympathiques pour ce jeu-là. Donc vous voyez en haut l'entraînement, donc pour tester les persos, les parties rapides, la coop quand on a plusieurs je pense, les ligues qui sont disponibles, donc la ligue héroïque c'est à partir du niveau 30 en solo, et par équipe niveau 40, personnalisé, c'est qu'on veut créer une game entre potes, machin, nanana. Jusque là tout va bien, la boutique, bon, on s'en fout, je vous montre pas. Regardez, donc regardez, c'est les parties qu'on a faites, elles sont enregistrées. Donc si vous avez fait des beaux moves, que vous voulez faire des best-of, que vous n'avez pas enregistré, que voilà, bah, vous pouvez retourner dessus, c'est ce qui est super sympa. Bon, nous, déjà, on partira sur une partie rapide. Cela va de soi. Et là, du coup, on est sur un héros inconnu. Donc c'est aléatoire. Donc voilà comment ça se présente, la sélection des héros. Donc vous voyez les différents mondes, Warcraft, Starcraft, Diablo, et aussi des anciens jeux Blizzard. Donc ils ont rajouté les trois petits vikings, des vikings perdus. Je me rappelle plus du nom du jeu, mais il paraît que c'est super chaud à utiliser parce que les trois peuvent être gérés indépendamment, ils peuvent être bloqués tous les trois, ou partir à droite à gauche, donc avoir plusieurs lanes dessus, donc à gérer, ça fait un peu un Warcraft quoi, donc c'est pas évident, mais ça peut être rigolo. Donc moi, mon seul perso que j'ai, c'est Vala, qui est sur Diablo, que j'ai débloqué parce qu'elle coûtait pas trop cher et je trouve qu'elle est super efficace. Et du coup, vous voyez du coup ceux qui ont le petit logo Heroes of the Storm au-dessus de la tête, c'est ceux qui du coup seront gratuits pendant une courte période. Donc ça change, les pics, je sais pas exactement combien de temps ça dure. Je sais que la semaine dernière, il y en avait d'autres. Voilà. Donc je viens de faire une game avec avec Diablo. Donc je vais tester, tiens, Tichus. Voilà, Tichus coûte 4000 pièces d'or, il est une grosse batteuse. Donc voilà pour les héros. Ensuite, chaque héros a une monture. On va faire dans l'ordre. On va décaler, regardez, du gauche vers la droite, jusque là. Tout va bien. Oui, du gauche vers ta droite. Donc les modèles, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs skins qui peuvent être débloqués du coup soit au niveau 10. Donc ça c'est cool, qu'on ne soit pas obligé de payer finalement pour avoir un skin supplémentaire. Il y a des couleurs, donc ça je sais pas comment on les débloque, sûrement payant. Et on a aussi des skins payants, bon, jusque là, voilà, hein, de toute façon ils veulent du cash, ils veulent du cash. Les montures, pareil,
On a des bêtes de combat, des chevaux au début. Ça se débloque avec de la thune pour le reste. Ça peut avoir des extensions, des packs. Enfin, il y a plein de petits trucs toujours payants, mais bon, je sais même plus s'il y a des montures qui sont payantes en or, mais je crois qu'elles sont malheureusement payantes. Voilà. Bon, ça change rien au jeu, hein, c'est juste du skin, ça fait genre, c'est sympa. Alors, ensuite, là, nous avons les capacités. Donc voilà, toutes les capacités du héros. Donc A, Z, E et le trait. Donc le trait, c'est le passif. Donc plus longtemps Tissus attaque, plus sa vitesse d'attaque augmente, ok. Attaque d'une cible pendant les déplacements en blessant les ennemis proches, ok. Bon, on verra bien sur le tas, ça. Tac. Ensuite, nous avons les talents. Alors les talents, c'est ce qui améliore notre personnage au fur et à mesure des niveaux. Donc vous voyez les niveaux à gauche. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 20. À ces niveaux-là, vous regardez, on peut choisir là du coup au début soit le premier munition anti-blindage, soit la grenade déchiqueteuse. Et au fur et à mesure, voilà, tac 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 tac, on débloque le R, donc l'ultime, au niveau 10, et tac 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 on avance. Sachant que sur ce jeu, ça ne marche pas du tout comme LoL ou Dota, je crois que Dota c'est pareil, le niveau c'est l'équipe qui l'a. Donc c'est-à-dire qu'il y a un niveau par équipe. Si votre équipe gère, vous montez super vite et du coup vous pouvez prendre l'avantage tous ensemble. C'est pas il y a un perso qui est cheaté sur tous et vas-y on attaque, on attaque, on attaque, on protège le perso et il fait le masse dégâts. Là tout le monde est à la même échelle. Ça va dépendre du guerrier, enfin du héros que vous prenez, si c'est un soutien, un assassin, un guerrier, enfin tout ce bordel là. Donc Wally Valou, donc on va admettre qu'on est prêt, voilà. Et on... Bordel de Dieu. Oula, il se répète un peu. Donc vous voyez en bas à droite les amis qui sont là. On a aussi des quêtes journalières. Donc vous voyez que là, si je joue avec deux héros de StarCraft, je vais gagner 2000 pièces d'or, je pense. Il y a des trois petits points. Voilà. Là, c'est les menus pour les didacticiels, les entraînements, les machins. Donc on est en attente de partie. J'espère que ça va pas bugger, parce que tout à l'heure j'ai fait une vidéo. J'ai pas compris, je sais pas si ça venait du PC parce que peut-être pas assez puissant ou autre. à certains moments, ça a accéléré la vidéo. Du coup, je parlais, mais ça faisait blablabla. Alors voici tout le monde. Oula, j'aime bien le petit gobelin. Je sais pas à quel héros c'est, mais. Alors, les mines hantées. Donc, dans Heroes of the Storm, à chaque fois, on a des maps au pif. C'est pas nous qui choisissons, sauf quand on fait nos trucs, bien sûr. Mais chaque map a des objectifs secondaires différents. Donc, lui, en fait, il nous fait aller dans les mines souterraines où il y a des monstres à buter. On récupère des crânes. Comme vous pouvez le voir, détruisez les morts-vivants et récupérez leurs crânes pour invoquer un golem. Donc, au fur et à mesure, on ramasse des crânes dans les mines qui apparaissent de temps en temps. Et quand c'est le cas, quand c'est bon enfin, eh ben, y a un gros golem qui va se déplacer sur la map pour nous aider, pour défoncer des tourelles, des murs, etc. Donc c'est bien sympa. Pareil, sur toute la map, il y a des petits des camps de légionnaires, on va dire, entre guillemets, à buter, pour que pu on puisse, pareil, avoir d'autres petits PNJ qui se rajoutent à notre lane et qui foutent bordel. Alors, munitions, les dégâts, augmenter les dégâts, augmenter les dégâts du... Ah, donc il y a des interactions avec les persos, c'est sympa. Donc là, c'est en deux lanes. Vous voyez la carte ici. Là, en dessous, il y a la mine. Donc on est là, on doit attendre. Regardez, l'animation est bien sympa en attendant. Le combat commence dans Donc 10 là, secondes. vous voyez le personnage qui bouge, machin, le truc. Vitesse 5, augmentée. Vous voyez 4, la petite clé qui 3, s'ouvre. 2, 1. Allez, on va aller capturer ce machin là-haut. Voilà. Donc ça, c'est une stèle de vision au début pour à capturer. Voilà, on va voir si on peut pas choper la deuxième, mais je pense qu'elle est déjà prise. Oh, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Dégagez de là. On a déjà un mort. C'est un serviteur qui l'a buté? Même la mort ne peut arrêter le seigneur de la terreur. Ouh, il m'a fait mal. Ouh, il m'a fait mal. Eh ben, je me suis fait sécher. Je me suis fait sécher. Bon, j'ai un appel téléphonique, ça va sûrement couper la vidéo. Je vais la reprendre direct après. Malheureusement,
Ça m'énerve. Ah, je suis déjà là. J'ai pas fait gaffe. Ah, ils ont repris d'ailleurs ça là-haut, donc on va aller le récupérer. La vision est très importante, comme dans tout bon jeu. Donc là, il n'y a pas de ward ou autre dans ce jeu. Ah, j'aurais pu aller au top. Bon, je récupérais ça. Tac. Voilà. Ça charge. Hop. Donc le but, comme d'hab, est de récupérer, enfin de buter l'idole en face. Donc c'est pas un Nexus, c'est une idole, c'est pareil. Hop. Allez, meurs, 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 meurs. C'est pas moi qui l'ai eu. Bientôt les morts vivants se réveilleront. La mort frappe toujours deux fois. Tu me bouscules. Oh, ça fait pas mal. Ça toute la journée. Oui, t'inquiète. Allez. On a repris l'avantage au niveau des niveaux. Veut entrer dans la mine. Oui, bah tout le monde veut rentrer dans la mine. Bon, ça a pas coupé la vidéo, c'est super. All mine, bah oui. Allez, go. Donc, vous voyez la mine qui s'est ouverte. On rentre dedans. Et là, faut aller buter du monde. Allez, go. On a récupéré des crânes. Allez, allez. Le but, c'est de se bouger les fesses pour faire un maximum de dégâts le plus rapidement possible. Prévient d'un danger. Ah, ça veut dire qu'il y a les ennemis. Vite, on récupère les crânes. Go, 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 go. Oula, oui. Ah, lui, il est dans la merde. Si on va dessus, ou on va l'aider l'autre. Ah bah, il est mort. Oh là 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 là. Quand faut y aller, faut y aller. Ah, il s'est gavé à sortir le dada. Sauf que ça le ralentit pas. Fais des gaffes au-dessus. Allez! Qu'est-ce qui branle? Oh, ça pue! Ça pue là, ça pue! On est plus que deux là? Choisissez un talent. Allez, un talent, renforce périodiquement les attaques de base, rend la vie à chaque attaque. Oh, allez, on prend ça. On est dans la merde, on est tout seul. Malheureusement, on va devoir ressortir. Donc, on a 40. Oui, c'est le problème, c'est qu'ils vont prendre le gros. Ils vont prendre les derniers crânes, regardez. 34, 35, je crois même que c'est un peu trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Ils prennent du level. Hein. Ah, ils sont bons là. Ils sont bons. Donc en fait, voilà, les golems sont créés. On a 46 contre 54. Donc ils auront un golem un peu plus puissant. Je vais back, tout simplement, en espérant qu'il n'y ait personne qui vienne sur ma gueule. Parce que là, sinon, là, on prend bordel. Hein. Ils sont déjà niveau 6, on est à peine 5. On prend bordel pour le moment. Alors le golem... Pardon, il va apparaître. Voilà. Ils sont passés 6. Bon, ça veut rien dire, on a le temps, moi je vais aller récupérer ça, donc on va aller voir, du coup c'est des cantiers, voilà, c'est mercenaires, mais il y a Diablo qui vient avec moi. Ouais, bah, je sais qu'il est plus faible, merci de me le dire. Diablo gère, il est avec moi, c'est super cool. Il y a Raynor qui vient, donc c'est super, moi j'aime bien, franchement, qu'est-ce qu'il nous dit, besoin d'aide, on arrive mon gars, on arrive. On récupère du coup, voilà, tac, on remplit, hop, on arrive. J'arrive, ma gueule, t'inquiète. Ah, j'oublie toujours de mettre le dada. C'est vrai que le cheval, ça permet d'aller plus vite, mais j'oublie toujours de le mettre. On balance la bombe, boum. Ah, dommage, je suis pas passé. Il y a du monde, il y a du monde. Oh, il a pété le truc. Bon, on a pété une partie du mur. Je pense qu'en haut, c'est un peu pareil. Notre golem est mort. Mais le leurre est encore... Ah, merde. Le talent. Augmente la portée de la grenade, la vitesse d'attaque soutenue. Ouais, augmente la vie. Oh, merde. J'ai chié. J'ai fait la pas.
Allez, on va récupérer. Alors ça, c'est une source de vie, on va dire. Ça nous permet de récupérer de la vie du mana. C'est bien sympa. Mais bon, faut attendre. Oula. Boum, dégage. Oulolololo. Je vais back. Hein. Je vais back. Trop de risques. J'aime bien lui. Ah, il crée, c'est un ingénieur. Ok. Donc niveau 7 contre niveau 8. Donc vous pouvez voir là-haut les niveaux. Je vous ai pas trop montré. C'est vrai. Donc vous avez les niveaux là-haut, le temps. Là c'est le temps où est-ce qu'on va réapparaître. Oh merde, putain, je fais que des misclics. Ah, la vidéo a failli tourner au fiasco avec le fil de ma souris. On fera tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont récupéré un truc au milieu? Ah oui, il y avait un gros truc au milieu. Allez, on balance. Donc au niveau 10 on aura notre petite ulti, on l'a pas encore, ça va venir. Voilà. Ah, il peut réparer les tourelles lui, ça c'est sympa ça. Les damnés reviendront bientôt. Préparez-vous, héros. Ah, il m'a bloqué, d'accord. Marteau du destin. Ouh, la grenade bien placée. Bah oui, Olmin, mongol. Oh, ils m'ont cancel mon attaque, les salopes. Oh, lui. Entrez, héros. Les derniers. Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud patate, hein. Vite, on récupère un coup de fontaine. Là, ils vont tous dedans, ça pue. Ça pue. Bouscule. Le seul problème c'est qu'on va tous rentrer. Non, ça va, ils nous attendent pas. Putain, ils auraient pu nous one shot un par un là, c'est un truc de fou. Allez, on prend la monture. Ouais, j'ai entendu. Oh, ils font super mal. Oh. Donc vous voyez là, c'est le temps qui nous reste avant de réapparaître. Ah, on a pris bordel, guys, do that camp. Bah, pff, ils sont meilleurs. Attends, ils jouent bien, là. Moi, je trouve qu'ils jouent bien en face. Bon, ce sera sûrement une défaite, hein. Ça pue la défaite. Franchement, en art-pop... Ah, mais d'accord. Ah, j'avais pas vu. En fait, ils vont réapparaître là. Donc, on est dans la merde. Il va falloir... OFG, Gazole, M. Diablo. Ouais, on va rentrer dans les mines, mais je pense que ça pue de rentrer dans les mines. Tu me bouscules ? Parce que les doit être sur le gros. Il est temps que mes golems reviennent à la vie. Vous avez été tué. Ah bon, appelle le Odin pour prendre les commandes foreuse laser draken, largue une foreuse laser qui attaque les ennemis. Bon, on va prendre notre ulti. Malheureusement, on a pris pas mal bordel. Ils ont bientôt un niveau 12 alors que nous on est encore niveau 10. Leur golem va apparaître. Il va falloir le buter à fond parce que là, ils réapparaissent en fait là où, là où ils sont morts. Les golems se réveillent, mais soyez prudents. Le vôtre est beaucoup plus faible que celui-là. Ouais, c'est beaucoup plus faible, c'est le mot. Allez, Odin, balance. Oh merde! On a tout balancé là, le E de. Enfin, je sais même pas à quoi ça sert. Allez, balance, balance. Pour les dégâts du machin, quoi. Résistance qui fait, quoi. C'est bon, mon truc est terminé. À genoux devant le seigneur de la terreur. Oh là 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 là, ça pue, ça pue, ça pue. Vous voyez où le golem ennemi, il est encore là. L'autre, il a plus rien déjà. Mais c'est un truc de fou. Bon, j'ai pas perdu trop de life. On va essayer de piquer ça. Ça me va. Le seul problème c'est qu'il nous voit.
J'ai un peu peur. Ça va, je récupère pas mal quand même. Voilà, on va récupérer ça. Ça va nous aider. Oh là là, oh, ils sont déjà là, les cons. Ça pue. Oi 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 oi. Ça c'était son ulti à mon avis. Ça, ça fait pas masse dégâts hein. Oh ça pue. J'ai ulti pour rien. J'ai ulti pour rien. Ils sont 13, bientôt 14. Ça pue, ça pue, ça pue. Bon, 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 bon. On prend bordel. On prend bordel, ils sont très bons. Je sais même pas si on peut sur-rain sur cette. Sur ce truc. Bon, je sais pas, donc. Ouverture des mines. Oh là 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 là. Ça va arriver. On va aller là-haut. Bon, il paraît que mon joueur est difficile à jouer. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas évident. Ce qu'il faut. On se met là. Ouverture des mines. Oh, je suis dedans, moi. Comment ça se fait que je suis dedans, d'ailleurs? Mais bien sûr. Tuez les morts vivants et récupérez leur crâne, héros. Allez, go. Faut vite se bouger. Allez, allez. Un talent. Plus de plomb ralentit les ennemis. Ah ouais, ouais, faut ralentir les ennemis. Ça arrive. Ils ont été pris là. Non. C'est bien, j'en ai récupéré pas mal. Ils ont dû prendre le gros. Non, pas encore, hein, il reste 54. Je sais pas s'ils sont en train de push, peut-être qu'ils sont en train de push tout simplement. Ou ils sont juste là. On est groupe, c'est bien. Oui, oui, je sais bien, mais bon, oulalalala. L'avantage, voilà, c'est que ça a boum. Ceux qui ont tout récupéré, tu vas me dire. Ah non, il est pas mort, merde. Putain, j'ai rien vu. Bon, on a déjà l'avantage par rapport au golem. C'est un bon point. Ça hute, ça hute, ça hute. Ah, ils vont récupérer le dernier à mon avis. À moins que... Oh, ils fassent... Ah, vous verrez le Diablo qui arrive sur la fin. On leur donne ce dernier. C'est dommage. C'est dommage, les 14 derniers à mon avis vont aller pour eux. C'est dommage. On a bien géré pourtant, c'est dommage. Bon, moi je vais... Allbot now. Quoi? Mais il est fou. Et lui, il va nous déglinguer la gueule. D'ailleurs, ils font quoi? Je sais, mais je suis en train de t'aider pour le reste, là. Donc, tu vas attendre 5 minutes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils attendent. Ils doivent nous attendre en bas. Ouais, tant que... Ton dada. Ouais, ouais, j'ai entendu. Fort détruit. Fort détruit. Ah, ça c'est cool. Réveillez-vous, golem. Prenez bon. Vie et déchaînez. Ah, quelqu'un est allé le chercher, ça il s'est gavé. Je pensais qu'il nous attendait. Ouais, ouais, j'ai entendu. What? Oh les dégâts! That damage! 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 Les damage!
Le con. Bon, ça pue la défaite, hein. Vraiment. Hein. Là, lui, il en est là. Notre golem là. Oui, il fait le taf quand même. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Vous avez pu voir la beauté du casque qui enregistre toutes ces vidéos. GG, hein. C'est pas trop tôt, bordel. Faut aller défendre. J'ai entendu. Quoique. Quoique, non. Il se débrouille très bien. Je vais aider le Diablo. Augmente les dégâts contre les cibles diminuées. Les exécuteurs. Par contre, je pense qu'ils vont aller récupérer ce machin là-haut. Ainsi tombe le golem sépulcral. Il était poussière, etc. Là, faut les prendre. Eh merde. Il est tout seul. Vite, 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 vite. C'est le moment de prendre. Yes, GG. C'est pas sûr que ça soit terminé. J'ai peur. Voilà. Passez aux actes. Là, s'ils vont tous sur moi, je suis dans la merde, hein. Je vous le dis tout de suite, les gars. Oh, ça ult à fond. Ça ult à fond. C'est bien, ça. Très, très bien. Et merde. Bah, c'était calme. Ouais, coup d'ulti comme ça. Allez, on balance. Ah merde! Ça pue. Y'a pas un bush quelque part? Non? Bon, si, là, on va se mettre là. Je pense que. Ils ne m'ont pas vu, ils savent pas où je suis. Je back. Finalement, ça peut se jouer, hein. Là, suivant comment on récupère le. Ah merde, ça pue ça. Attends, faut que j'aille aider. Papa, on se gave là. Ah merde, deux autres qui sont morts. Chier. Les Diablos réapparaissent tout de suite. Non, faut y aller. Allez. Go back, oui, bah. J'essaie de défoncer un max, hein. Ça attaque tout seul, parfait. Plus de retour en arrière, désormais. Allez. On invoque le dada. Enfin, le dada. J'appelle pas ça un dada, mais la créature, voilà, eux. Ah, les bâtards. Bande de bâtards. Allez. Faut récupérer du crâne. On fera tout ce qu'il faut. Ils sont déjà à 13. J'ai peur, je suis solo, hein. Ah non. Mais pourquoi j'appuie sur R? C'était E. Ah, le miss. Enfin, pas miss click là, mais presque. Ça pue. Oh là 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 là. Ils sont à 47, les gars. Hein. Si on n'a pas le gros, on est mort. Hein. Là, on est fini. Parce que lui il décolle direct, il va péter la tour. Nous il nous reste quoi de l'autre côté? Une tour et un mur. Au-dessus, tain, c'est con parce qu'au-dessus on est bien avancé. Hein. Pff, vous êtes 4, ils sont 5. Ils sont dessus en plus. 16 secondes, ça va. GG! Oh là, l'ulti de Diablo là, elle doit faire masse dégâts. 2 de moins, super. Eh, hey, elle est peut-être pas finie cette game. Elle est loin d'être finie. Ça picote. Mais bien sûr, général de Perrette. Choisissez un talent. Ils l'ont eu. Levez-vous et marchez. Rouge. Bah, je l'ai pas. C'est bon. Bon, ça sert à rien. Passez aux actes. Allez.
C'est le moment de tout balancer. Ah. Ah bon bah... Ça va peut-être sentir la victoire finalement. Si les héros commencent à quitter. C'est bizarre d'ailleurs. Ah non, voilà. Oui, la bac. Un golem faible. Récoltez davantage de crânes, héros. Si je récupère ça en plus du golem, ça peut être sympa. J'ai pas dit le mot magique. Pardon, excuse-moi. Ouais. Allez, mon gars. Super. J'arrive, viens vers moi. Notre allié ne tiendra pas un héros à jeter les ponts. J'espère que t'as un plan. Ça se lui fait rien du tout. Leur bastion est tombé. Leur bastion, c'est bon ça. Faites vite, l'ennemi s'en prend à votre idole. Merde. J'espère que t'as un plan. Le golem. Oh putain, on récupère ça. On se fout dans le bush là, on back. Ah mais c'est eux qui ont eu le golem. Je pige pas. T'as pas dit le mot magique. Oh là. Finalement ça pue hein. Ça pue hein. Prochaine idole, enfin prochain truc à mon avis, ça tiendra pas beaucoup. All bot. J'espère que t'as un plan. On doit capturer ce camp de mercenaires. Faut passer aux actes. Oh là là. Là, on a pris bordel. C'est dommage, hein, parce que ça commence à remonter. Et j'avais un dernier truc. Hein. Je monte l'autonomie, les missiles Ragnar, d'ailleurs, tout son explosion nucléaire. Bon. Malheureusement, ça pue. Donc là, vous voyez, c'est une game qui dure un peu dans le temps quand même. D'habitude, là, 22, je crois que j'ai jamais atteint le niveau 22. Pour dire. C'est quoi qui vient? Ah, c'est celui du milieu, ok. Là, on est 4 à être morts. Donc, il y a un qui est vivant. Un héros a jeté l'éponge. Oh, mais non. Moi, j'espère qu'il revient. Donc, vous avez vu les idoles. Voilà, on a leur état ici. Et là, tout le bleu foncé, c'est un bouclier, je crois. Ah, mais il a même il reprend même de la vie. Il reprend même de la life. Ça pue pour toi, mon gars. Y'a pas à dire. Ça picote. Ça me va. Récupérez des crânes pour rendre ce golem plus puissant. Héros, votre idole subit une attaque. Faut passer aux actes. Oh, on les voit en bas dans la mine. Oh, c'est génial. Oh, c'était super cool, j'ai kiffé. J'aurais peut-être pas dû balancer mon attaque. Oh là 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 là. Tu bouscules. Donc l'idole reprend. Un héros a jeté l'éponge. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il fait? Un héros a rejoint le combat. Ils sont où les gars? On fera tout.
tout ce qu'il faut. Oula, quelques petits lags. Ça c'est bon ça. Go là, go go. La mort attend tous ceux qui nous affrontent. Ah, j'ai été pété. Et là, lui, il va finir le truc, il va en récupérer le crâne. Oh là là, 75-25. Réveillez-vous, ah là, ouais, c'est GG well play là. Là, on est dans la merde. Le golem va nous finir. Ah là. Le défense, hein. Putain. Parce que là, il est solo là-dessus. Bah bon, bah bon. Une autre, il est là. Bah, tu me diras, il est aussi là-dessus, mais bon. Ça le fera pas. Ah, ça c'est cool, vu qu'il le défend comme ça. Oh la life qu'il a. On est dans la merde. Allez, 10 secondes, les gars. Bon, plus de bouclier. Allez. Faut tout balancer, les gars, si on veut survivre. Ça pue la merde. Là, ils arrivent tous en humain. GG quand même. Bon, voilà, une game de terminée. Bon, elle était pleine de rebondissements. À certains moments, je pensais quand même qu'on pouvait gagner. Mais malheureusement, c'est les jeux, c'est les jeux. Bon. C'était quand même bien sympa. Celui-là, il m'a pas plu plus que ça. Donc voilà, chaque héros ont des niveaux. Chaque fois que vous le jouez, il gagne de l'XP. Il a pris un niveau 2. Ça veut dire qu'on a débloqué une capacité héroïque. Donc au niveau 2, pour chaque héros, ou peut-être que ça change, je ne sais pas, il y a une capacité héroïque supplémentaire à débloquer. Donc l'ulti, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un truc laser à un moment, et ben, c'était là, en fait. Là, je l'ai débloqué, donc je pourrais choisir entre l'ulti, celle du gros robot, ou l'autre. Ce sera pour une prochaine fois, parce que là, nous sommes quand même à 37 minutes de vidéo, ce qui est pas mal du tout. On revient ici. J'espère que ça vous a plu, cette petite... présentation de vidéo avec pour une fois ma tête en live, enfin en live, voilà, vous me voyez, moi je vous vois pas, je m'en fous, bah les couilles, yeah. Et voilà, donc c'était Heroes of the Storm, je pense faire des vidéos avec des potes, ce sera beaucoup plus sympa, je crois qu'on est, attendez, 3 ou 4 à la voir peut-être, bref, il y en aura, peut-être pas tout de suite, peut-être après, je sais pas. En tout cas, pour vous dire aussi que si vous suivez les aventures... de Legend of Grimrock 2, des épisodes sont prêts, c'est juste que ça prend beaucoup de temps, on va dire, à upload. En ce moment, je commence à travailler, donc c'est pas évident non plus. Donc voilà, donc c'était Silverlinker pour vous, mon petit ami, hein, pour vous, oui. Et pour une fois, vous me voyez faire le con, machin, nan, nan, c'est ouais, pff, non, là, je pars en couille, c'est pas bon. Bon, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, et salut tout le monde.